Je considère Alice qui a un téléphone GSM qui fonctionne correctement sur un réseau et qui est allumé. Elle appelle Bob qui est sur un poste fixe. Voici plusieurs affirmations concernant l'appel d'Alice vers Bob. On sait que le premier message envoyé par le terminal d'Alice, c'est un message de la couche Mobility Management qui s'appelle CM pour Connection Management Service Request. Est-ce que ce premier message contient le TMSI d'Alice? Deuxième affirmation, est-ce que le HLR est consulté pour vérifier la localisation d'Alice? Troisième affirmation, entre les MSC VLR, le protocole ISUP d'établissement des appels téléphoniques est-il le seul protocole nécessaire? Enfin, dernière affirmation, est-ce que la communication transite par le HLR ou non?